qui commence une commerce, faut pas dire je vais avoir beaucoup d'argent. L'argent, ça vient après. Les chiffres qu'on a commencé là, souvent là, il y a des jours, même actuellement où on est là, quand il y a banane là, tu gagnes. Mais quand il n'y a pas banane là, il y a des bananes qui t'ont payé pour satisfaire tes clients. Ce n'est pas avoir des bénéfices dessus. Pour que la clientèle n'a qu'à rester. C'est ça que je dis, il faut aimer. Quand tu aimes là, tu préfères vendre. Les clients n'ont qu'à être contents, même si toi-même tu n'as rien. Tu sais que demain, s'il y a banane, tu vas avoir. Un commerce, quand tu vends, tu as au moins 5 000 comme bénéfice. Tu dis que, ah, j'ai mis quelque chose de. Exemple, je mets quelque chose de. Je paye quelque chose de 20 000 comme ça. Et mon agent, je viens vendre. Et j'ai vendu à 30 000 ou à 25 000. Les 5 000 que j'ai eu dessus, c'est mon bénéfice. Les bénéfices, là, il faut partager en trois. Tu partages en trois, tu peux bouffer une partie. Et deuxième partie, tu gardes ça, on n'en sait jamais. Et une partie, tu gardes ça, je ne dois pas bouffer, je vais réaliser quelque chose avec ça. C'est comme ça, Tanti Mbaye a compris.